Yes, video number two. We need the measurement, okay? Fun for measurement, yo. Like, I put those, but you can try the numbers for you for a friend. Contour tie 104 centimeters. So if I want to convert to inches, I divide by 2.54. So besoin convertir centimeter en inches divisé par 2.54. But we every person has a different number, okay? Hip, the longer the hip, 127 to divide by 2.450 inches. And then we are going to go to the step by step. Okay, so 104 divided by 4, meaning we got a 1/4, and the 26 centimeters. The length of the skirt, longer jupe, 57 centimeters, but it's below the knees. Hip contour, c'est le contour de la hanche. So when you say you have to divide by 4, so you take the measurement and then you divide by 4. So there is some calculation going on here. Okay, nous gagnons pour nous convertir. Okay, nous gagnons pour nous convertir. So now, nous gagnons pour nous convertir. Si me dit que m'apprend ma prend contour taille. OK, prend contour taille là comme ça. Si me dit ma prend contour, this is the length of hauteur, like a height of the hip, you go from that. And then you go here. Okay? And then if you want to go take the measurement from the hip, so you do like that. Okay? You do like that. Okay, d'accord? So, and then if you want to know the length of you go like that, the length of your skirt, okay? You go like that, and then until desired length, okay? Every person is different, so. Avec ça, nous capons mesure nous voulons. Flexible ou virer le tunnel. OK? Now, we are going to do the schéma. Meaning, you got a lesson today. Nous allons, we are going to do it in French now. In French, the lesson. First lesson, on appelle jupe à quatre panneaux. Panels. Quatre panneaux.
skirt with four panels. Cette jupe est coupée avec l'ampleur devant les genoux. Une jupe qui n'est pas coincée. OK? Elle a beaucoup d'ampleur, vous pouvez bouger. OK? Devant les genoux. Les côtés peuvent être droits ou légèrement évasés. So, nous allons faire les côtés un petit peu évasés, notre doigt. OK? Suivre la ligne verticale, mais nous allons évaser. Et puis, nous avons besoin de la longueur de la jupe, de la contour de taille, OK? De la contour de hanche et hauteur des hanches. So, we have four panels, the same. Four panels. So, necessary measures, c'est skirt length, hip contour, OK? And also the height of the hip. Et puis contour taille. OK? Contour taille. Say if I got one more word for okay. Now the measure I got here, la mesure que j'ai ici sont changeables. OK. Premièrement, tracer deux lignes faisant équerre. OK. Deux lignes faisant équerre. Ici de l'angle droit ici. Quand quelque chose forme équerre, on parle de l'angle droit. OK, formant équerre. Square. And then here is a angle droit. Right angle. So vous prenez une feuille de papier, vous cherchez la le côté droit, le côté horizontal, le côté vertical. Yes. C'est comme si vous l'avez comme ça. OK. Un côté horizontal, un côté vertical. Voilà. Vous l'avez comme ça. Comment écrire? Sur la verticale, portez la hauteur des hanches. Vous êtes ici. La hauteur des hanches. Je ne pas mesurer ma hauteur des hanches. I got 7.5 cm. So, we got that. You measure. From the top until here. OK? That distance. OK? So, you look for the 7 centimeters there. Okay. Not exactly. But we measure that distance, height of hanche. Puis vous prenez la longueur de la jupe. Ainsi bien, la jupe has a longer. So, à partir de la hanche là, si on dit qu'on va prendre là que 37 cm,
Vous prenez. Alors, mon tableau n'est pas trop long pour prendre une plus longue mesure. Mais dans la pratique, on peut prendre plus. Là, j'ai pris 56 cm. Pour mieux tenir. Forme de la ligne des hanches. Jusqu'ici. Et ça m'a donné 55. 55 est comme longueur de jupe. OK? 55. 55. So, OK, on porte la longueur. C'est comme si on apporte une longueur 17 plus une longueur 55. Et continue à partir de ça, on porte une longueur 55. So, il s'agit de mesurer. Il s'agit de mesurer. Pour le faire, on doit prendre la longueur de sa jupe. On doit prendre la longueur de sa jupe. On doit prendre la hauteur à partir de la taille jusqu'à la hanche. So, d'abord, on porte la longueur de la hanche. Et puis ensuite, on va porter la longueur de la jupe. OK? Now, qu'est-ce que l'on fait encore? Numéro 2. Sur l'horizontale, c'est la ligne horizontale. La ligne horizontale est comme ça, elle est plate. Elle est flat. Sur la ligne horizontale, qui représente la ligne de taille, cette ligne horizontale, c'est comme si notre taille est ici. Notre taille est ici. Elle représente une ligne horizontale. Une ligne horizontale qui représente notre taille. On a dit de tout d'abord de rentrer de 10 cm avant de commencer à porter mesure. So, rentrer de 10 cm, ça veut dire qu'on va contrôler 10 cm. Okay, 10 cm avant de porter la longueur qu'on nous demande de mettre pour la taille. So, obviously, votre taille n'est pas comme la hanche, ok? Vous voulez laisser de la place pour la hanche de s'évaser. So, vous rentrez, vous tenez votre taille comme ça, right? Ok? C'est rentré. C'est rentré. So, ça peut rentrer de 10 cm. Ça peut rentrer de 10 cm, au moins. Ben, vous allez prévoir une distance qui va vous aider avec la hanche. Ok? So, approximativement de ces 10 cm. So, ça dépend. Vous pouvez réajuster pour vous-même, dépendant votre forme. Je vous donne une idée, au moins laissez 10 cm si vous ne savez pas combien. Et puis, arrivé ici, vous prenez la mesure de votre taille. Si c'est 97 cm, vous divisez par 4. Ce que vous trouvez, vous faites le tour de votre taille avec le centimètre là. Vous faites le tour de votre taille. Et puis après, yes, vous faites le tour de votre taille. Et puis vous divisez. Vous avez votre calculateur. Vous pressez on. Par exemple, 97 divisé par 4. 24,25. 24,25. Alors, là, je porte 23,5 puisque vous pouvez grossir votre size, votre taille augmente, ok? So, we are talking about the waist. Maintenant, let's try Google for one more word.
Yes, c'est ça. So, Thaï, on peut l'appeler aussi ouest. OK, ouest. Maintenant, quoi d'autre? Sur la ligne de la jupe, mesurez 1 cm. La ligne de la jupe, c'est la ligne d'en bas. OK, vous ne pouvez pas voir la ligne d'en bas. Laisse-moi ça. Vous voyez, on est jusqu'ici. OK? Mais la ligne de la jupe, je vais vous montrer dans ça. La ligne en bas. C'est ça la ligne d'en bas. So, on vous a dit. Je vais arranger ça pour que vous puissiez voir très bien. C'est tourné. OK. Voyez là. J'ai laissé 1 cm. 1 cm. Avant. Voici la ligne de la du bas. La ligne du bas de la jupe. La ligne du bas de la jupe. So, j'ai laissé 1 cm. On a dit. Quand on a fini de laisser le centimètre, on va réunir cette ligne à la ligne et à la ligne d'en haut. Puisque, ouais, sur la ligne de la jupe, mesure 1 cm, réunir par une ligne oblique les points 10, tout 1 cm. Vous voyez? On a 10 cm, ok? Sur ici, on a 10 cm. On peut trouver un oblique comme ça. Vous voyez là, l'oblique c'est la ligne penchée. Vous pouvez trouver une ligne oblique à partir de 10 jusqu'en bas. Ok? Vous pouvez trouver la ligne d'oblique. Et la ligne d'oblique. Ça va vous donner un tracé de la une idée de tracé pour me tracer de la jupe. OK? So, j'ai pris 10 cm ici. J'ai pris 1 cm en bas. OK? 10 cm ici. 10 cm. Hein? And then 1 cm en bas. Et puis, je les réunis les points de 10 et les points de 1 par une oblique. Une oblique, c'est une ligne penchée. So, je les réunis. So, maintenant, on dit que vous venez de tracer le milieu du dos et devant. So, vous voyez, j'ai écrit le mot milieu. Milieu du dos et milieu du devant. Ça veut dire que ceci va représenter le milieu, quand on a, et voici votre milieu ici, ok? There is a milieu, ok? Vous avez le milieu du devant ici, et puis le milieu du dos, ici, la partie de la colonne vertébrale. Donc, on a dit que cette jupe va s'ajuster au milieu du dos et au milieu, par exemple. On a ça, c'est la jupe que j'essaie de tracer. Voilà, et puis le milieu, on peut le mettre comme ça au milieu. Vous voyez, voici le milieu, on le met comme ça, c'est le milieu du devant. Ok, le milieu du devant. So, quand on trace les panneaux, voici les panneaux. 1, 2. Les panneaux. Voici 2 panneaux. Okay, pour milieu. Ouais, ça peut tourner comme ça. C'est retenu ici pour quelque chose là. Mais on peut les ouvrir ici pour avoir le milieu. Au milieu ici, et puis on a la jupe ouverte.
Ok. C'est ainsi. Maintenant qu'on a parlé de la ligne oblique, à partir de 10 cm jusqu'à 1 cm, maintenant, numéro 4, sur la ligne de la hanche, mesurez à partir sur la ligne de la hanche, ok? Laissez-moi lire dans ma feuille. Sur la ligne hanche, mesure à partir de l'oblique un quart hanche plus 2 cm. Attends, vous pouvez voir ici. Ok. Vous prenez le mesure de la hanche. La hanche, c'est plus long, ok? Par exemple, là. Quand tu t'avais dit que. Quand tu t'avais dit que contour taille 104 cm, que contour hanche 127 cm. Ok? Ok? Parce que les proéminents, vous prenez les proéminents, la partie la plus large. Ça veut dire que contour de hanche devrait être plus grand. Et vous divisez encore par 4. Parce que c'est. Vous aurez 4 panneaux, pas vrai? 4 panneaux. C'est un premier. Après ça, vous aurez un deuxième, un troisième et un quatrième. OK? Les 4 panneaux pour faire la jupe. So, pourquoi vous divisez par 4? OK? So, là. Si j'ai utilisé 127, si j'ai utilisé et 127, je divise 127 par 4, 31,75. Dépendant de la mesure que j'utilise. So, n'importe quelle mesure, quand vous avez fini de prendre le contour de votre hanche, vous divisez par 4, plus 2 cm. 2 cm, c'est comme une amplitude qu'on laisse. Une amplitude de sécurité. De sécurité, vous connaissez que la hanche, ok, on peut grossir. On fait un petit peu pour ne pas trop coller sur soi. La jupe, on fait plus de centimètres. Ok? On a dit plus de centimètres. Prenez la mesure que vous avez trouvée. Ajoutez 2 centimètres. Ok? C'est ainsi que vous voyez le plus 2 ici. Je ne sais pas si vous voyez. Yes. Il y a le plus 2 ici. Ok? So, ce montant peut changer selon la personne. Mais ce montant est fixe, because c'est constant, parce que on a demandé d'additionner 2 cm. Vous l'additionnez. Maintenant, voyez que, remarquez qu'on a dit, à partir de cet oblique, on prend la mesure. Ok? À partir de la ligne oblique, on prend la mesure. On prend la mesure. Vous souvenez qu'on avait mesuré une oblique et que la taille commence à partir de 17,5 cm et à partir de la hauteur de la taille, vous mesurez. So maintenant, vous avez la ligne je disais que la hauteur de la hanche, vous prenez d'abord et puis arrivé à la hanche, on appelle ça la ligne de la hanche. On va prendre la mesure de la hanche, porter la mesure de la hanche. Hip. La mesure de la hanche. So, maintenant, quoi encore? On va réunir un corps de 2 cm pour une partie et faire une courbe. Yes. On est arrivé ici. On n'a pas encore dessiné rien de ce côté. Pas vrai? On n'avait rien de ce côté. Maintenant, on va réunir le point un corps, parce qu'on avait pris un corps du contour de la taille. OK? On va prendre ce point. On va le réunir au point, puisque on connaît cette distance.
Cette distance plus 2 cm, on l'avait fait déjà. On réunit les deux points. On réunit les deux points. Un quart de la taille plus un quart de la hanche plus 2. Vous avez un point ici, un point ici. On les mesure, on les réunit. Yes. On les réunit. Prends une pointille. Et puis on prend la moitié de cette longueur. Cette longueur. Vous savez, vous faites une jupe pour une femme. La femme est ronde, pas vrai? La femme est ronde. So, on va essayer de ronde sur les côtés. So, on va essayer de mettre une forme ronde à la jupe. So, à partir de là, de cette mesure, ok, on a dit de diviser par deux. Par exemple, on peut employer ça comme ça. Et puis on trouve la moitié. Et puis, à partir de cette moitié, on le met ici. OK? Et puis, quand on a fini ici, on a dit de prendre 1 cm. 1 cm. Ce n'est pas facile de trouver le centimètre ici. Le 1, c'est comme si c'est caché. C'est caché ici. Ce n'est pas gros le 1 cm. Ce que vous faites, vous prenez la règle. La règle. Et puis vous cherchez le centimètre. OK? Ça arrive jusqu'ici. OK? Ça arrive jusqu'ici. So. Ça arrive jusqu'ici. OK? So, le centimètre, c'est pour donner une forme ronde à la jupe. Parce que vous savez que la femme a une forme ronde. Bon, maintenant, on continue. Et sur la ligne du bas, vous ne pouvez pas voir là, ça ici. À partir de la verticale, portez les corps compris entre la verticale et l'oblique de la ligne hanche. Let's see it on that. Ça veut dire que on a une mesure, un quart de contour de hanche plus 2 cm ici, pas vrai? Et on va reporter cette mesure en bas. Puisque on peut reporter ça. OK? So, vous imaginez une verticale ici, vous tracez une verticale. OK? Vous tracez une verticale. So, vous laissez 10 cm partout. Et puis vous tracez la verticale. À partir de verticale, de même que vous avez pris un quart d'inch plus 2, vous prenez un quart d'inch plus 2 ici. Un quart d'inch plus 2, c'est ce qu'on voulait dire. So, puisque vous voulez déterminer ce côté, où est-ce que ça s'arrête? Comment on va faire la ligne, cette ligne ici? So, c'est ce que vous voulez déterminer. So, vous retrouvez les tracés, OK? Les verticales, et vous les cherchez. Et puis vous mettez les mesures qu'il faut. C'est ainsi que, OK, portez les corps compris entre la verticale et l'oblique de la ligne hanche. OK. Verticale et l'oblique de la ligne hanche. Normalement, vous avez un écart ici. Quand vous avez fait le tracé ici, vous avez un écart ici. OK? Cet écart, vous devez la connaître. Comme ça, là, quand vous aurez fait
le tracé de la verticale ici. Vous n'avez qu'à reporter ce que vous avez trouvé ici. OK? Comme ça, vous aurez la même forme pour les deux côtés. So, vous tracez ensuite. So, c'est évident. Vous voyez que et vous avez une longueur ici. Vous voulez reporter ça en bas. Et puisque vous avez tracé une oblique ici, ça fait un évasé. Okay? Une distance en plus qu'on a ajouté au square, notre square, like un rectangulaire. So, de l'oblique à la verticale, il y a une distance entre l'oblique et la verticale. So, cette distance doit être équivalente à la distance d'ici. C'est pourquoi on va la reporter de ce côté pour faire le tracé comme ça, ici. Pour avoir le tracé ici. So, c'est quelque chose. Il faut avoir les mêmes données. Et puis, think about it also. Si vous avez de là à là en montant, vous voyez que quelque chose se reproduit en bas. OK? Donc, si nous levons une verticale ici, une verticale ici. Comment va-t-on faire la première verticale ici? C'est à partir du 10 cm qu'on a laissé ici. On respecte 10 cm, 10 cm. On a ici. Vous mesurez 10 cm ici. OK. 10 cm ici. 10 cm ici, on a fait des pointillés, on les réunit pour la verticale. OK? À partir de cette verticale, on peut mesurer la longueur qu'on en a là. On regarde quelle est exactement la longueur qu'on avait ici. Et on la reporte en bas. OK? On la reporte en bas. On la reporte en bas. Ouais, on la reporte en bas, mais note ici, but everywhere doit avoir entre la même mesure. So, quand on a les pointillés, ces pointillés, on fait la même chose, on répète la longueur. On répète la longueur, cette même longueur ici. On descend, on descend, on descend, on descend, on descend, on descend, on descend. Ok, ici, 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 ici. Et puis, on fait une ligne verticale. On construit une ligne verticale ici. Et quand on a fini, on a besoin de mettre l'évasé. Ça veut dire que l'ampleur. L'ampleur. Et c'est qu'est-ce que j'avais trouvé pour évaser? Magnitude. Laisse ici. French to English. French to English. Évaser. Évaser. Flair. OK. C'est une jupe. Une jupe évasée, une jupe flare en anglais. Flare skirt. Flare skirt. C'est un mot à ne pas oublier. Flare skirt. Write it down. Flare. Yeah, I got it already. Flare skirt. Évasée. Évasée. Bon. Maintenant. On a essayé de répéter les mesures en haut, on répète aussi les mêmes mesures en bas de la jupe. On réunit les pointillés.
c'est ce qu'on a fait. Et puis, évaser le bas de la jupe, de la valeur qu'on présente la verticale et l'oblique, on a fait ça aussi. Déjà, on appelle ça là. C'est cette partie qu'on appelle évaser. 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 On mesure l'évasé et on répète et l'évasé ici. On répète ça ici. On répète l'évasé ici. On répète l'évasé ici. Comme ça. Alors, sachez que cette partie, on n'en a plus besoin quand on a fini. On n'en a plus besoin. La jupe sera comme ça. Ok? La jupe sera comme ça. Ça arrêtera à cette ligne-là. Ok? On n'aura pas l'extra ici. Ok? So. C'est ainsi qu'on a fini de faire notre tracé de la jupe. Et un modèle que j'ai essayé de juste un tissu, j'ai essayé de faire un modèle. OK. On a les épingles. So, sachant que le milieu restera au milieu. Le milieu restera au milieu. Le milieu restera au milieu. OK? So, on va connecter tous les panneaux ensemble. Tous les panneaux, on va les connecter pour donner la jupe. Tous les panneaux, on va les connecter pour donner la jupe. On va les connecter pour donner la jupe. So. On retient avec des épingles. Des épingles comme ça. Et pour avoir une idée. Et ce que cela représente. C'est juste pour avoir une idée de ce que cela représente. Mais. On doit constamment rechercher la vraie mesure. La vraie mesure. Et. Il y a le tissu qu'on peut mettre le tissu en quatre. OK? Et chercher la ligne droite. Si vous mettez le tissu en quatre et puis vous cherchez la ligne droite, la ligne verticale, la ligne horizontale. Et puis après ça, vous laissez l'espace pour la couture et puis vous taillez. Vous coupez le tissu. So. Ça, ce sont des étapes plus approfondies. OK? On va s'arrêter là.